Shalom, nous voulons te bénir Seigneur, merci pour cette grâce, merci de m'utiliser afin de parler à ton peuple, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Christ de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui à une date très importante, aujourd'hui c'est le 30. Le 30 novembre 2019, nous sommes en train d'entrer dans le mois, ce qu'on appelle dès cette nuit. À partir de 0h, nous serons déjà dans le mois de décembre, qui est le mois de la transition. Voilà, le mois de la transition. Un mois qui nous fera rentrer en 2020. Dans la 2020, l'année comporte, en fait, l'année, le calendrier romain, que nous utilisons d'ailleurs. C'est 12 mois, donc nous sommes dans le 11e mois. Et l'année, dans l'année, il y a 12 mois. Alors, donc, chaque mois équivaut, n'est-ce pas, correspond à des attaques, si vous voulez, aussi une bénédiction de la part de Dieu. Qu'on veuille ou pas, on a toujours un ennemi, on a toujours un ennemi commun qui est le diable, qui n'aimerait pas nous voir prospérer, qui n'aimerait pas nous voir, n'est-ce pas, avancer. Et heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu nous accorde le salut, le souffle de vie et nous permet d'avancer. Voilà, permet d'avancer. Nous sommes dans le 11e mois, gloire à Dieu, nous sommes en train de finir le mois. Même, il faut comprendre que l'année n'est pas finie. Voilà, l'année n'est pas finie, tout peut arriver. C'est pour cela que tout est une question de grâce. C'est une question de la grâce de Dieu. Voilà, c'est une question de la grâce de Dieu. C'est pour cela que ce mois-ci, cette nuit-là, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse prier. Et cette prière-là, voilà, vous puissiez, n'est-ce pas, déprogrammer tout ce que le Dieu aura programmé contre vous dans le mois de décembre. Parce que ce qu'un ennemi n'a pas pu faire au cours des derniers mois, c'est-à-dire ces 11 mois, ils vont vouloir forcément l'accomplir, n'est-ce pas, durant ce mois de décembre. Voilà, durant ce mois de décembre. Alors, la transition est importante. Quand un président prend le gouvernement, la compensation des services, une transition, tout ça, la transition est importante. C'est comme on durant dans le mois. Et quand tu veux rentrer dans une maison, la chambre, la porte de la maison, il y a le portail, il y a toujours les entrées. C'est cette nuit et la porte d'entrée dans le mois de décembre. Et cette porte d'entrée-là, il faut savoir entrer dans le mois de décembre en brisant déjà toute influence démoniaque sur ta vie, toute influence satanique sur ta vie. Et puis, pour céder le mois de décembre, programmer la mort. Voilà, vous qui êtes affiché. Il est 22h chez vous, chez nous, les 23h, nous avons 1 heure d'avance que vous, c'est l'heure de l'hiver, voilà. Alors, donc, il faut prier jusqu'à 1h du matin, 1h30 du matin, prier jusqu'à 1h30 du matin pour posséder, parce que c'est très important. Vous allez voir que le mois de décembre, malheureusement, c'est pas moi, c'est comme ça a été tout le temps. Vous allez voir plein d'accidents parce que c'est un mois où les gens vouloir sacrifier, il va y avoir beaucoup de sacrifices. Il faut tuer les gens. C'est là même les sorciers vont commencer à manger, ils vont commencer à attraper les agoutis, les chèvres, les bœufs, etc. etc. Donc, il faut prier. La prière, c'est la puissance du chrétien. Si tu ne pries pas, mon frère, c'est toi qui auras occasionné, n'est-ce pas, cette emprise du diable sur ta vie. Parce qu'il faut prier. Le seul moyen avec lequel Dieu passe pour nous exaucer, pour agir dans notre vie, c'est la prière. Donc, il faut prier. Je vous prie déjà pour cette nuit, que ce soit des minutes, jusqu'à 1h, pour que le monde soit un peu moins pour vous. Ce soit moins de vous. Je pense que c'est un moment où on dépense beaucoup, mais que ça soit plein moins que vous investissez dans la mort, que vous investissez dans l'accident, que vous investissez un peu dans les choses imprévues. Voilà, parce qu'il y a souvent des trucs imprévus. Et je vous fais comprendre déjà que le hasard n'existe pas, tout est déjà programmé. Le diable sait ce qu'il a programmé contre chacun d'entre nous. Alors, nous avons, la Bible dit que tout ce que nous lions sera lié. Et tout ce que nous délions sera délié. C'est maintenant qu'on prépare la nouvelle année. La nouvelle année, c'est pas forcément le 31, c'est maintenant ça se prépare parce qu'il faut posséder le mois de décembre.
Alors, donc, chaque mois de décembre sera chaque jour de décembre sera un jour déterminant pour chacun d'entre nous, afin de pouvoir avancer dans certaines choses concernant notre destinée. Parce que le diable n'aime pas. Jésus, il est l'esprit de mort. Le diable, c'est la mort. Dieu, c'est la vie. Alors, que Dieu bénisse. J'espère qu'on m'a bien saisi. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, amen. Voilà, ici, vous êtes dans le sang de prière. C'est un sang de prière et de délivrance. Voilà, sang de prière et de délivrance. C'est aussi une église vivante, pentecôte. Demain matin, j'aurai l'occasion de faire du culte avec vous par la grâce de Dieu. Comme je disais tout à l'heure à l'informaticien. Alors, on ne sera pas trop long par la grâce de Dieu, parce que demain, j'ai deux cultes. Quand je ne vous prends pas depuis la France, pas parce que je vous ignore, c'est parce que je suis occupé. Voilà, c'est parce que je suis occupé. Et c'est parce que je suis occupé. Et quand je me dégage de ce qui j'arrive effectivement à faire face à n'est-ce pas, l'église, au centre de prière de Divo. Voilà. C'est pas facile de gérer. C'est pas facile. C'est toute la grâce de Dieu. C'est pas facile de gérer, d'être ici à distance. On est préoccupé, on a famille à gérer, c'est pas facile. Mais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, nous allons aborder un sujet. Nous allons pouvoir prenez la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre. Amen. Le thème, c'est-à-dire Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est un thème qui est très choquant. Le passage que nous allons voir, c'est mon message est un message thématique, avec un thème bien sûr. Donc, le thème, c'est Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen. Amen. Voilà, on peut lire le passage. D'abord, avant de parler, on dit Dieu s'est repenti. La repentance, ça dit, repentance, c'est de regretter. On dit repenti, regretter et de ne plus recommencer. Voilà, c'est la définition de repentance. C'est-à-dire avouer d'abord et regretter l'acte qu'on a posé et puis de ne plus jamais recommencer. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Eh bien, la Bible dit, parce que n'oubliez pas que le livre de Genèse me dit le commencement. On dit au commencement déjà, quand commençait déjà la terre, on commençait toutes choses déjà. Dieu regrette. C'est-à-dire, il met en regret, c'est-à-dire, l'homme qu'il a créé, il dit, mais pourquoi, pourquoi j'ai créé l'homme? Vous comprenez? Nous allons comprendre tout ça. Pourquoi j'ai créé l'homme? Or, la Bible dit que ça avait tout un conseil. Il y avait le conseil de Dieu. Il y avait des anges. Le ciel est tellement organisé. Il y avait le conseil des sages, des anges. Il dit, créons l'homme. Mais au pluriel, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, Dieu fabrique, il prend la terre, il fait l'homme. De l'homme fait sortir le corps de l'homme fait sortir une femme et puis en peu mesure et à un moment donné de sa vie de l'existence sur terre des êtres n'est-ce pas parce que l'être humain est l'être supérieur parmi tous les êtres vivant sur cette terre Dieu a regretté dit je regrette d'avoir créé l'homme pourquoi créer l'homme ça vous choque pas? Est-ce que ça ne vous choque pas? C'est-à-dire, Dieu même, toi-même l'a dit, Dieu me dit, pourquoi t'as créé? C'est-à-dire, nous allons voir ça tout à l'heure. Dieu me dit, pourquoi t'as créé? C'est-à-dire, il répondit, mais pourquoi même il a créé? Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi? Pourquoi il a créé l'homme? Or, la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Amen. On dit, tout ce qu'il a fait était bon, fut le sixième jour. Maintenant, pourquoi? Pour l'imperfection dans ce qu'il a fait. Quoi il regrette? On l'a vu que le premier jour de deux jours, au fur et à mesure, créateur de toutes choses, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le sixième jour, il crée l'homme et dit, c'est bon, tout ce qu'il a fait est bon, il est content d'avoir fait tout ça, participer, investi dans une création, il investit là des arbres, tout ça, il crée l'homme. Maintenant, il dit l'homme même qui a créé l'homme. Qui est son représentant. Donc, l'homme est représentant de Dieu sur terre. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Je me repens.
Il dit ça, je me réponds. Le verset 6 de Genèse, le verset 6, chapitre 6, le verset 6, va nous éclairer tout à l'heure. Alors. Genèse, le chapitre 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit. Ouh, on dit il fut affligé à son cœur. Vous savez ce qu'on appelle être affligé? Hein? Vous savez ce qu'on appelle être affligé? Qu'est-ce que tu en penses? Être affligé, c'est abattu dans l'âme. Son âme est abattue, fait affliger. Son âme abattue, quoi. Son cœur abattu, l'affligé. Son cœur au regret. Il fut affligé dans son cœur. On y va? Et l'Éternel dit. J'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Très bien, on s'arrête là. Dieu bénisse. Amen. Comme je disais tout à l'heure dans les thèmes, c'est un thème tel, c'est juste un petit message, des thématiques, dont le Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et il dit que Dieu, c'est le créateur de toutes choses, dont ton créateur est mon créateur. C'est le maître de la création qui a créé toutes choses. Et donc, dans l'introduction, je disais que Dieu a vu que tout ce qui a vu est parfait. L'œuvre d'un homme, Seigneur, parfait. Il crée le ciel et la terre, la mer, tout ce qu'elle en fait. Tout. N'est-ce pas? La verdure, tout ça, les bétails, les poissons, l'océan, tout. Il crée l'homme. Voilà. Il dit, voici, à moins de créer l'homme d'abord, il crée un conseil, il discute, il dit, créons l'homme à notre image. Alors, on a vu d'abord la déception de Dieu. De Dieu d'abord, depuis le jardin. De Dieu m'était déçu de l'homme. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait une loi. Vous savez, quand il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a pas de patron. Alors Dieu dit, ne mangez pas ce fruit. C'est pour dire, malgré tout ce que vous avez comme pouvoir dans le jardin, vous avez un patron qui est Dieu. Alors il fallait respecter ça. Et voici que Dieu, l'homme va désobéir à cette voix de Dieu. Alors Dieu va commencer d'abord à être déçu. La déception d'abord. Maintenant, la déception, c'est plus grave que la repentance. C'est-à-dire, la repentance, c'est-à-dire qu'il regrettait, c'est-à-dire, je ne veux même plus, je ne sais même pas. C'est-à-dire, ça a été un mal ce que j'ai fait. Dans la déception, moi, j'ai posté un truc aujourd'hui sur mon Facebook, il dit, la déception ne tue pas, la déception est un enseignement. François, monsieur. Amen. Là, c'est moi qui prêche, ne regarde pas Dieu. Voilà. La déception enseigne. La déception, tu apprends beaucoup de choses. Donc, quand on est déçu, tout compte fait, la vie est un enseignement hein, au quotidien. La vie, c'est un enseignement. On apprend toujours. Voilà, on apprend toujours. Tout ce qui nous arrive, tirons tout ce qui est positif dans tout ce qui nous arrive. Et puis, il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Tant que tu seras sur cette terre, tu seras confronté à des expériences de la vie. Et qui va te forger le moral qui te rendra fort. Voilà, qui va te forger le moral. Si tu n'as pas un moral fort, mon frère, il faut même résister. Il ne faut pas penser dans ton existence. Dis-toi que le vie là, un an, on sort du vent, il pleure, il rentre dans les difficultés. Il va forcément affronter les choses qu'il ne voulait pas. Pas parce qu'on affronte les choses que nous voulons, mais justement, c'est que nous ne voulons pas. Et quand ça vient, pas parce que nous voulons que ça vienne vers nous, non. Souvent, il y a des choses même que tu ne pensais même pas que ça allait arriver. Mais ça fait partie du destin. Voilà, c'est le destin. Et ça arrive dans ta vie. Mais il faut en tirer une leçon. Vous comprenez? Donc, Dieu en tire une leçon de ce qui est arrivé. Il a chassé l'homme et la femme du jardin. Et au fur et à mesure de sortir une génération, il s'agissait ici là de Noé. Au temps de Noé, on dit, il y a eu des géants, les femmes leur couchaient. Il y a des esprits qui sont venus. Alors, des esprits qui sont venus se multiplier avec des hommes, des êtres humains. Donc, ils avaient un esprit contraire. Donc, il y avait tellement de vilaines choses que les gens faisaient sur cette terre. Le Seigneur dit, je regrette. Parce que quand je vois l'animal,
L'animal, là, il est sincère. Vous savez que le chien, c'est le chien, il est, même le chien, quand on donne à manger, il est sincère. Il y a des gens sur la terre ici. Frère, il y a des gens sur la terre ici. Vous leur donnez à manger, vous les aidez. Mais demain, ce qu'ils vous montrent, c'est-à-dire, ce qu'ils te montrent, toi-même, tu dis, mais c'est ce monsieur-là qui me fait ça, quand elle me fait ça. C'est la dame-là qui me fait ça. Quand on a ton cerveau tourne quand il y a d'autres mecs qui meurent malheureusement de AVC. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que le monsieur qui l'a nourri, la femme qui l'a aidé, c'est ce monsieur-là ou la femme-là qui se ligue contre lui, ligué, avec toute une méchanceté extrême dans le but de te détruire. C'est-à-dire que tu as nourri un chien gringalieux. Hein? Quand il a eu des poils, tout ça, maintenant il se retourne contre toi. C'est la pluie de sorcellerie. C'est la pluie de sorcellerie. Dieu bénit la terre. Dieu, il crée toutes choses. Il met l'homme sur la terre. L'homme ne manquait de rien. Maintenant, récompense. Voici ce que l'homme fait de la gestion de la terre. De cette gestion-là. C'est d'envoyer lui n'importe quoi. Dis pas ce qu'il veut. Oh non, on ne dit pas. On ne fait pas ce qu'on veut sur cette terre. On est sur cette terre, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Ensuite, on suit un peu ce que je dis. On est sur cette terre pour glorifier le nom du Seigneur. Donc Dieu regarde et dit, mais si c'était pour ça, non, c'est pas la peine. C'est comme ça, là? Et non, je regrette. Je regrette. Frère, si Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, ça veut dire que l'homme est un danger. L'homme est un danger sur cette terre. Si Dieu lui-même, là, il dit, je regrette d'avoir créé l'homme, je réponds, non, ça veut dire que faites attention à ceux qui vous fréquentent. Faites très attention. C'est ça que Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Vous savez, je vous dis une chose. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Et aimer son prochain n'exclut pas la prudence. Non. Non, lui, se méfie trop. Mais c'est quand tu te méfies beaucoup que tu avances beaucoup. Aimer ton prochain ne veut pas dire, oh, pour apprendre beaucoup de choses sur cette terre, Dieu va te faire vivre des expériences. Il y a des expériences que Dieu te verra vivre. Moi, je ne pensais même pas qu'un instant que quelqu'un à qui tu as donné à manger pouvait un jour se liguer contre toi. Moi, j'ai vécu ça. Je ne pensais même pas à quelqu'un à qui tu as acheté même un portable, à qui tu as même aidé. Hein? Quand il avait des difficultés les plus énormes, même donner la vie, je suis pour ça, manger même de chez toi, c'est-à-dire moi ta nourriture, et puis demain, c'est celui-là qui cherche à te détruire. Moi, je ne pensais pas ça. C'est vrai que j'enseignais ça. Mais Dieu m'a dit, quand j'ai vécu des expériences, Dieu dit, je suis en train de faire vivre une corde. Quelque chose que moi-même j'ai vécu là. L'expérience, elle est bien utile quand on est de la vie. C'est-à-dire quand tu parles, le vécu, là, ça passe bien. C'est ça que dans la vie, frère, il y a deux sortes d'amitié. D'ennemis, je préfère. Il y a des ennemis qui sont déclarés, vous savez que eux sont vos ennemis. Voilà. Plus grave. Il y a ce qu'on appelle l'ennemi rapproché. Ceux-là, ils sont dans ton quotidien, mais ils sont tes ennemis. C'est-à-dire, ils ont une façon de vivre, c'est-à-dire leur hypocrisie. Ils font semblant de te respecter. Ils vont te donner tout le respect. Ça, c'est devant toi. Hein? Ça, c'est devant toi. Tout le respect. Ils vont vouloir, parce que eux, leur objectif, c'est que toi tu gagnes, que tu aies leur confiance. Et malheureusement, c'est pour ça que Dieu ne joue pas avec ceux qui trahissent les gens, hein, c'est pour ça que Dieu ne joue pas avec ce genre de personnes. Ils ont une apparence, ils sont, c'est-à-dire leur caractère est déguisé, leur vraie nature là, c'est caché. Quand ils sont à toi, ils mangent, viens, tu les aides, et puis demain, tu comprends que demain, c'est cette personne-là. Mais c'est parce que, généralement, toi, tu as été peut-être sincère. Et quand tu es sincère en amour, tu soupçonnes. Tu es sincère. Ou même quand tu n'as jamais vécu une expérience.
Mais un ennemi rapproché, c'est celui qui fait un effort pour venir dans ton quotidien. C'est ça qui fait tant attention à ceux qui cherchent, à ceux qui se rapprochent de vous. Parce que vous pouvez même avoir un ennemi juste près de vous sans que vous ne sachiez. Malheureusement, c'est ceux à qui vous êtes, ceux que vous avez aidés là. Vous méfiez même d'eux. Parce que c'est eux qui seront demain vos sorciers. Ils vont vous manger, sort par là et placardi. Dis-moi, manger, sort par là et puis placardi. Dis-tu, c'est repenti. Comment tu peux se repentir? Pourquoi? Ben, parce qu'il s'est investi en l'homme. Et puis, comme l'homme s'est comporté. Hey, si Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est pas toi. C'est aussi dans la vie. J'ai compris que même un chef d'État, vous voyez, les chefs d'État, ils sont pour avoir accès à eux, c'est difficile. Ils comprennent plus tard pourquoi un certain un moment donné de la vie des gens qui, pour avoir accès à leur vie, c'est difficile. Bien-aimés, faites attention à ceux qui vous fréquentent. Faites attention à ceux. Parce que généralement, les gens, c'est eux qui cherchent à vous rencontrer. Généralement, c'est eux. Mais leur récompense après est négative. C'est comme tu leur as jamais rendu service. C'est comme dans leur vie, tu n'as jamais posé un acte précieux. Ils ne recomptent jamais. Et c'est ça l'esprit de la sorcellerie. Un sorcier, il a une mémoire morte. Il ne reconnaît jamais l'acte que l'autre pose dans sa vie. C'est ça la sorcellerie. À poser un acte, il ne reconnaît pas. Il va te blâmer. Bon, comment vous êtes rencontrés? Non, c'est lui qui a voulu rentrer dans ta vie, normalement. Alors, tu le blâmes. Est-ce qu'il t'a une fois aidé? Si, tu l'as une fois aidé. Mais regardez comment il va te récompenser, puisque lui, il est en mission. La plupart des gens, ils sont en mission, ou la personne que vous rencontrez, elle vient pour vous aider, ou bien elle vient pour vous détruire. Donc, faites très attention. Ce n'est pas méchant même d'être prudent. C'est pas méchant, au contraire. Tu préserves ta vie des mauvaises personnes. Parce que le sourire que vous voyez là, le sourire là, derrière ça, il peut y avoir un mess, le masque du diable. C'est ce qu'on appelle un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui, n'est-ce pas, qui fait semblant d'aimer les gens, mais en réalité, dans le cœur, on a même Jésus, le grand Jésus, qu'il était Jésus. Tiens, celui qui l'a vendu, il a vendu combien de morceaux de pain? Judas a vendu Jésus. Judas a vendu Jésus. Donc, ne soyez pas surpris que demain, les gens vous déçoivent. Dieu même a été déçu. Dieu s'est repenti. L'être humain, il fait peur. L'être humain, il fait peur. Il est plein de danger. Heureusement, je ne vous ai pas dit que tout le monde est pareil. Mais je vous conseille la prudence et la méfiance. Ça dit, son merci, moi je ne m'attends même plus au merci des gens. Le merci, ça ne m'intéresse pas. J'aide quelqu'un, ton merci ne m'intéresse même pas. Parce que je le fais parce que je suis un être humain et la loi de Dieu me dit d'aider mon prochain, de l'aimer. Mais aimer là, vous savez quoi? Le crocodile là, quand il dort un œil ouvert, il sait qu'il n'y a jamais de, il n'y a pas d'homme sincère sur la terre. Donc quand il dort là, c'est juste un œil ouvert. Il n'y a pas d'homme, on peut le manger demain. Il fait confiance à personne. C'est parce que tu es bon que tu as pensé que tout le monde est pareil comme toi. Alors, tu apportes l'aide aux gens, tu les assistes, mais quand quelqu'un va vouloir forcément vouloir, parce que malheureusement, ce sont ceux que tu héberges, ce sont ceux qui cherchent à héberger chez toi, ce sont ceux que tu cherches à aider, mais ce sont cette personne-là qui te détruisent demain. Regardez la plupart de la trahison sur cette terre. Regardez, ce sont les cloches. Ce sont les gens qui tu as rendu des services. Et toi-même, tu as assis, tu poses la question. Le Messie, comment il m'a connu? Lui-même. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens parler, les traits, les gens qui détruisent la vie des gens, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie déguisée. Eux, ils sont plus graves que ceux qui vont manger dans la nuit. Parce qu'ils ne reconnaissent pas. Or, quand tu fais du mal à quelqu'un qui t'a une fois donné à manger,
tu as bu chez lui. Son argent, ta nourriture est dans ton sang, ton âme. Là. Dieu, à cause de ça, Dieu va te châtier. Tout se paye. Tout se paye. Pour vous dire, aidez les gens. Dieu, continuez de faire du bien aux gens. Mais pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à vous sécuriser. Parce que notre souris est toi. Qui est forcément toi? Ah non, hein? Pas parce que j'entends dire, ah non, grand frère, toi, tu es beau. Non, tu es beau. C'est lui, là. J'entends le voir comment il va te préparer la sœur graine et te cliquer dedans et bien te manger. Lui, là. Faites attention aux gens. Faites attention aux gens. Il faut se sécuriser, il faut se protéger. C'est pas la protection, c'est vrai que Dieu nous protège. Mais toi, on manque d'une attention et de quoi, de manque de discernement peut permettre au diable de te détruire. Il y a ce que Dieu peut faire et il y a ce que toi tu peux faire. Il y a ce que Dieu peut faire et puis il y a ce que toi tu peux faire parce que Dieu va te prévenir. Il va te prévenir pour dire fais attention. Faut faire attention. L'homme qui est là, là l'être humain même là, dans son commencement déjà, il a eu un problème avec Dieu. On dit Dieu s'est repenti. Dieu dit non, je regrette. Ouh là là, je regrette. Frère, donc le regret que toi tu ressens là, parce que telle personne a décidé de te nuire, quelqu'un que tu as aidé, Dieu a ressenti ça un jour. Dieu s'est repenti, Dieu a regretté. Il dit mais pourquoi? C'est l'homme qui me fait ça aujourd'hui. On dit Dieu s'est repenti. Dieu répandu avoir créé l'homme. Vous comprenez? Il s'est répandu. Il dit non, mais pourquoi? Oh non! Il s'est affligé dans son cœur. Il dit je regrette. Et pour ça, il a détruit la première terre. Il a détruit cette première terre. Pour vous dire, les gens qui posent les actes négatifs dans votre vie, les gens qui pensent que il faut faire du mal aux gens qui vous ont fait du bien, je parle à ceux qui font du mal aux gens, qui leur ont fait du bien. Quand vous rencontrez une personne, il y a une base sur laquelle vous êtes rencontré. C'est vous qui cherchez à rentrer dans la vie des gens. C'est vous qui cherchez à rentrer dans la vie des gens. Les gens vous ouvrent les portes de leur cœur, leur amour. Et quand vous rentrez dans leur vie, on peut sécuriser cette vie-là. Vous êtes comme des gens de l'eau potable. Que vous prenez pour vous abreuver, vous buvez l'eau. Dans l'eau que Dieu vous a donné, qui a atteint vos soif, là, vous venez vomir dedans. C'est pas sorcellerie, ça. Tu avais soif. Hein, il veut boire. Voici l'eau. Bon, tu t'arrives à t'abreuver. Maintenant, ça va. Et c'est dans cette même eau, tu viens et tu vomis. Comment Dieu va te laisser sur cette terre tranquille? C'est ça qu'il y a des gens qui sont maudits. Il y a souvent des gens qui disent non, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi ça t'arrive. À un moment donné de ta vie, tu t'es lié, tu as fait du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est pour ça que ta vie est comme ça aujourd'hui. Le diable a accès à ta vie et le diable cherche à te détruire. Tout compte fait, j'ai toujours dit, tout ce qu'on fait, que ça soit en bien, que ça soit en mal, nous payons ça. Nous le payons. Pour vous dire un mot, l'être humain, dans un premier temps, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit non, l'être humain, non, je regrette. Parce que l'être humain qui est là, même un chien est avec lui. Il y a un chien, tu vas l'élever, mais il va t'aider. Le chien, il a un bon ami fidèle. Dans le monde difficile, mais l'être humain, non. L'être humain, il fait peur. Ce sera que la plupart de la sorcellerie, je n'ai jamais vu sorcellerie des chiens, mais vu sorcellerie de l'être humain. C'est pour ça que l'être humain, il fait sorcellerie. Ils sont près de vous, et puis demain après, ces mêmes personnes à qui, c'est-à-dire qu'ils cherchaient une position, ils cherchaient quelque chose. Ils sont là pour quelque chose. Quand l'objectif atteint, ils se sont détruits. Alors que Dieu nous aide. Amen. Amen.
Je sais que beaucoup de cœurs des gens sont, les gens sont affligés, abattus, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ce monsieur qui mangeait, qui n'avait rien, qui n'était rien, cette sœur qui n'était rien, ce frère qui n'était rien, cette fille qui n'était rien, je l'ai aidé. Aujourd'hui, voici son langage. Voici ce qu'elle me donne comme merci. C'est mon merci que ça. Tous ces pères, Judas est bon avant Jésus. Donc ceux qui veulent vous détruire, ceux qui sont en train de manigancer des choses, sur la base même du mensonge, de l'esprit de la destruction, que Dieu ramène ça dans leur camp, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous délivre de toutes ces méchancetés sataniques. Que Dieu vous protège, et que ces esprits des ténèbres, ces personnes, n'aient pas raison sur vous. Quelqu'un qui a un bon cœur, quel que soit ce qu'il est, il va toujours vous protéger. Faites attention à ceux qui pensent être avec vous. Quand quelqu'un est avec vous, et puis il est ami avec ton ennemi, même si Facebook, ils sont camarades, il faut avoir peur de lui déjà, c'est fini. Parce que vous serez au centre de leur causerie là, tu seras toujours au centre de ça. Ils vont tout barrer de toi. Moi, je n'ai rien à voir ça. Quand on est ami comme ça, mon frère, faut pas avoir peur de cette personne. Parce que quelqu'un qui est vrai avec toi, qui est ami avec toi, quand quelqu'un est contre toi, il ne va jamais être ami avec cette personne. Il ne va jamais tisser amitié avec cette personne. Ouvrez les yeux. La plupart de vos ennemis sont ce qu'on appelle des ennemis rapprochés, qui sont là, qui sont juste à côté. Ouvrez les yeux. Vos problèmes ne viennent pas de loin, vos problèmes sont juste à côté. Voilà. Moi, je ne savais pas, au plus ça m'est arrivé. Non, c'est parce que tu étais naïf. Tu comprenais, tu voyais, tu pensais que tout le monde est bon comme toi. Malheureusement, les gens pensent que tout le monde est bon comme eux. Hein? C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut commencer à ouvrir les yeux. Et moi, j'ai compris par la grâce de Dieu. Et quand quelqu'un va vouloir te détruire, ce n'est pas forcément celui qui est loin. Lui, il y a un ennemi déclaré. Il y a prêt pour tout, mais c'est celui qui est prêt là. Il faut faire attention même à celui qui est prêt de toi. Parce que c'est lui-même qui est plus dangereux. Quand vous regardez son langage, sa manière de parler, il veut tout savoir sur toi. Et puis il interprète les faits et gestes. Quand toi tu es en bien, tu fais des choses, il va toujours interpréter négativement. Quelqu'un qui interprète négativement tout ce que vous faites, cette personne-là n'est pas loin de l'esprit de sorcellerie. Parce que moi, ta vie me dit rien. La vie des guérons, gens. Pourquoi toi t'intéresses à la vie des gens? Pourquoi tu t'intéresses à la vie des gens? Pourquoi la vie des gens, c'est la vie des gens qui t'intéresse? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Faites très attention. Sinon, on va vous prendre, vous manger sauce arachide. Et kabato, il y a d'abrou dedans, ils vont bien vous manger. Amen. Très attention. Le monde là, le monde, on peut perdre la vie à une fraction de seconde. Pas une inattention. Ne négligez rien. Faites attention à tout. Parce que le diable a dit que le diable rôde comme un lion rugissant, chassant qui dévora. Donc le diable lui rôde. Voilà. Donc celui qui est à côté, il faut chercher à connaître son esprit. Voilà. Marchez avec ceux qui peuvent vous faire avancer. Ce n'est pas un péché. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est celui qui me fait avancer. C'est lui qui est mon ami. Il ne peut pas avancer. Tu n'es pas mon camarade. Voilà. Tu n'es pas mon camarade. Parce qu'il y a un ami. C'est celui qui fait avancer, qui peut te faire avancer, qui peut te faire évoluer. Faites très attention. La vie, c'est un combat. Allah, il faut retenir ça. Ce monde-là, la vie est un combat. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas quitté sur cette terre. La vie est un combat. Chaque jour, tu ne sais pas ceux qui t'envient, ceux qui t'en veulent, ceux qui veulent même te nuire, ce qu'ils savaient, c'est Dieu qui est ton esprit, mais tu alors comprends que tu es dans un monde. Non. Parce qu'après, bonjour, bonsoir, quand vous séparez, vous ne savez pas ce que les gens vont dire dans leur lit, vous ne savez pas ce que les gens ont dit à côté, et puis ils sourient, ils sont contents. C'est ça. C'est pour ça que la plupart des gens, les gens ne sont pas guéris. Ils ont une personne qui n'arrive à moi et une solution. Parce que le temps, vouloir à l'être humain est sacré, est un péché. Amen. Amen. La fille est bleue, c'est qui? Celle qui est en bleu, c'est celle qui est en bleu, en foulant le. Tout ça. Madame. Devant ici, devant ici. C'est elle est bien. Elle est bien, monsieur.
Elle est venue faire quoi? Elle est là pour une délivrance. Tu es là pour quoi? Tu es là pour quoi? Je suis là pour la guérison. Tu es là pour la guérison? Oui, ben. Tu es venu d'où? Tu es venu d'où? Jusqu'à Taï. Je vois déjà. Je vois comme tu es morte. Hein. Voilà, c'est l'inspiration. L'inspiration que tu me donnes. Ce sera difficile. C'est-à-dire, si on ne prie pas pour toi, qu'on te délivre. D'ici le 20 décembre, tu es parti. Mais Dieu va t'aider. Amen. Amen. Dieu t'aidera. Voilà, on va prier pour ça. Faut t'asseoir. Ça va? Alors, que Dieu vous fortifie, que vous bénisse. Ce matin, très, très tôt, on aura un culte. On va faire une prière ensemble. J'aurai l'occasion de vous prendre par la grâce de Dieu avant d'aller faire le culte sur Paris. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai tenu à informer tous les Africains. L'Afrique, très bientôt, je commence une tournée. Je vais commencer une tournée africaine par la grâce de Dieu. On aura l'occasion de venir parler de Jésus-Christ à l'Afrique et prêcher l'évangile. Et que Dieu vous protège. Amen. Amen. Voilà, on a demain très tôt le matin. Demain très tôt, on aura le culte. Je prends l'occasion de vous recevoir, prier pour vous et avant de faire d'autres choses. Shalom. Excellent mois de décembre. Amen. Amen.